Bonsoir, bonsoir. Voilà, je reviens vers vous pour faire du hard journal. Oui, bah oui, je me suis lancée à faire une page tous les jours. Alors, tant que je peux, je le fais. Voilà. Ouais, c'est. Oui, voilà, c'est nouveau pour moi. Et voilà, tant que j'ai le goût, tant que j'apprécie, ben, je le fais. En tout cas, je vais vous saouler, mais c'est pas grave. Si vous êtes là, c'est parce que, voilà. Vous appréciez. Sinon, bah, tant pis. Allez, je vous mets sur mes mains, je vous montre ce que je vais faire. Alors, le thème, c'était jouons avec l'eau. Alors, moi, je vais faire un tamponnage. Je vais mettre du gesso avant. Je vais sécher. Je vais mettre un tamponnage d'une petite fille de chez Santoro. Après, je sais pas ce que je vais faire. Bah, vous allez voir. Moi, voilà, c'est par la suite. Voilà. Allez, je vous mets sur mes mains. Allez, ciao, à tout de suite. Hop là. Alors, voilà. On voit l'ombre parce que c'est le soir. Hein, je crois qu'il est 21 h. Voilà, j'ai mis la télé pour m'accompagner, mais je ne l'ai pas mis fort parce que voilà. Alors, j'ai pris un pinceau, j'ai pris du gesso et j'ai pris ce tampon-là que c'est ma Foldingo Carica qui me l'a offert. Et je trouve qu'il est vraiment dans le thème. Comme il n'y a pas d'eau de marqué de tamponnage, j'ai pris celui-là pour faire l'eau, là. Je vais faire l'eau de ce pochoir-là. C'est un pochoir que on a eu chez Action. Alors, voilà, je vais mettre. Et puis après, ben, je ne sais pas, je verrai. Voilà, je fais avec vous. Je n'ai pas encore pris de. Comment? Je fais comme ça, on verra. Hein. Moi, je savais, je vais à la bonne franquette. Hein. Alors, oui, parce que j'ai taché ma feuille, parce que je prends une feuille, le verso de chaque feuille. Je ne prends pas le recto. Voilà, je salis, mais ce n'est pas grave, je nettoierai après. Voilà. Alors, je vais en embêter un peu, parce que je trouve que je n'en ai pas assez. Alors, voilà, je vais sécher et je vais revenir. Oui, je viens déjà vers vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme feuille? Parce que l'autre, je l'ai gardée. Hop, je vais prendre celle-là. Pour mettre en dessous. Hop. Ouais. Après, je penserai hein, à le faire, mais non, je sais pas. Hop. Voilà, je vais venir vers vous. Parce que je pense que je vais mettre de la pâte de structure. Après, j'irai laver mes pinceaux. Hop. Allez, je viens vers vous. Voilà, j'ai séché. Je pense que ça va. Voilà, j'ai fait un système pour mettre mon grand tampon. J'ai avec du scotch double face, oui. J'ai accroché deux planches de plaques comme ça, acrylique, et j'ai fait pour faire la longueur de mon tampon. J'ai ma goutte qui tient pas. Je sais pas comment faire pour que ça tienne bien mes tampons. Alors, je vais prendre ma verse à fine parce que je le fais en verse. Ouais, je vais la faire en verse à fine. J'aurais pu mettre de la couleur, mais on va le mettre en verse à fine. J'espère que je vais réussir mon tamponnage. Il n'y a pas de raison. Hein. Quoique j'avais un truc en éponge pour mettre en dessous. Ben, j'espère que hop, ça va le faire. Alors. Ah, ça va pas le faire comme ça. Voilà, Maria, tu as voulu bien faire les choses et en fin de compte, tu le fais pas bien. Voilà, comme ceci.
Je pense que je vais réussir. Ouais. Alors, je vais le mettre en... Ouais, je vais le mettre là. Je me suis levée parce qu'on m'a dit qu'il fallait... Oh, ça va, hein? Il y a eu pire, hein? C'est pas tout à fait top top, mais regardez, il est pas mal, hein? Voilà. Alors, je vais sécher parce que mon encre, je pense que... Quoique, j'aurais pu mettre des paillettes embossées. Non. Non, non, je vais sécher et je reviens vers vous. Voilà, j'ai séché. Bon, ça rébique un petit peu, mais ça va revenir. Là, je vais faire juste ma gouttelette, parce que je n'ai qu'un. Alors, du coup, je vais prendre une autre plaque. Je sais que j'en ai une autre, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Je vais la prendre. J'en ai une autre là. Alors, je vais mettre la petite goutte à l'endroit. J'arrive pas à tenir, à faire tenir ma goutte. Hein. Bon, les tampons, des fois, ils collent pas assez. Alors, voyez, comme il n'y a pas assez de gouttes, je trouve. Alors, je vais tamponner une là. Une là. Là. Tati, ta ta ta, tati, la la la, la voilà. Pour le moment, on laisse comme ça. Je vais nettoyer mon petit truc pour le mettre sur ma plaque là, sinon je vais le perdre. Voilà, je le mets là. Alors, voilà. Après, c'est... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre du bleu pour l'eau, là, comme ça. Tatine. Moi, j'ai dit que je mettais la pâte à structure, mais je ne sais pas trop. Alors, j'ai pris ce bleu-là pour faire mon tamponnage. On m'a dit que c'était au gré du... Mais apparemment, ça marche pas. C'est bien, je veux pas quelque chose de... Pourquoi j'aurais pu prendre autre chose, quoi, un tampon peut-être. Bah oui, Maria. Un machin comme ça. J'enlève celui-là parce qu'il est noir et je mets des tout propres. Voilà, je prends. Ah bah oui, ça marche mieux. Bah oui. Qu'est-ce que je suis gourde des fois. Mais bon, c'est pas grave, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, il paraît. Puis moi, comme ça me plaît, ah ouais, ça me plaît bien comme ça. Ouais, je vais juste faire une autre plus loin ici. Voilà, pour que ça soit sur le pied de mon petit lapinou. Hop. Yes. Voilà. Ça, je nettoierai après. Et là, je vais mettre petit peu de tampon parce que je trouve que de la pâte de structure peut-être.
puis mettre du bleu qui descend. J'avais envie de mettre des petits cœurs. Je vais mettre des petits cœurs. Ouais, je pense que je vais mettre des petits cœurs comme ça. Alors, je vais en mettre là. Je vais en mettre un là. Ouais, je suis très cœur et très papillon. Alors, ouais, j'ai ma main gauche que, vu cette heure-ci, ça commence à être fatigant. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Je vais en mettre un autre là. Yes. Puis je vais en mettre deux là encore. Je tiens comme ça parce que sinon je vais écraser le. Voilà. Il y a une nouvelle série là sur la une. J'ai mis en fond pour essayer de suivre un petit peu, mais même si je ne suis pas, ben c'est pas grave. Hein. C'est juste pour me tenir un petit peu compagnie. Alors, que je mette bien mon pack de structure, sinon après, ça sera foutu. Alors, je vais mettre tout ça là pour nettoyer. Je vais sécher et je reviens vers vous. Alors, du coup, j'ai repris mon encre bleue d'hier. Mais là, je vais prendre... Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Là, je vais prendre un pinceau un peu plus long pour que je puisse... Alors, je ne sais pas du tout ce que je fais, hein, parce que voilà, hein, c'est... comme dirait l'autre, à la bonne franquette. Je pense que là, elle sera bleue, un peu plus bleue que qu'hier, ma page. Je pense que... Parce que je veux pas qu'elle soit trop... Je pense que ma page, elle va être simple aujourd'hui, je pense. Je ne sais pas comment me débrouiller. Alors, du coup, voilà. Je vais mettre des petites gouttes rouges sur les cœurs que j'ai fait, là. Du rouge, du rouge, du rouge... Voilà, je vais prendre un petit pinceau et je vais faire ça. Hop. Pour mettre un peu de couleur dans ma création, parce que sinon ça va être nul. Ça fait pas rouge, ça fait orange, mais bon. Après, j'aurais pu aussi mettre du rouge sur le... Un petit peu. Je trouve que c'est pas trop... Non, c'est bien. Après, on m'a dit que c'était au gré de nos envies. Ben là, j'avais envie de mettre du rouge. Un rouge. Mais alors, c'est très, très rouge clair. Hein. C'est presque transparent. Hein. C'est bien parce que comme ça, ça laisse voir les gouttelettes de pluie qui tombent. Après, c'est pas coloré. Hein. C'est vraiment... c'est pas coloré du tout. Hein.
J'aurais bien voulu mettre une autre couleur, mais qu'est-ce que je pourrais mettre comme autre couleur? Après, ça va être. Ça va. Voilà, ça va. Vous voyez déjà que ça coule là. C'est pas top ce que j'ai fait aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, hein. On apprend à. On apprend à ma page, attendez, je reviens vers vous, je sèche et je reviens vers vous. Alors, du coup, j'ai pris un tampon écriture comme ceci, je vais vous montrer, voilà, comme celui-là, que je vais tamponner pour mettre un petit peu de couleur. Bah, de couleur, non, mais un petit peu de... mettre un petit peu de, comment on appelle ça, d'harmonie, ouais, peut-être, je sais pas trop comment on dit. Bah, c'est pas top, hein, mais voilà, c'est, sais pas si je devrais pas en mettre une comme ça. Non, je laisse comme ça. Ouais. Après, c'est mes débuts, hein. Alors soyez indulgentes. C'est un peu la panique là parce que j'ai pas du tout. En plus, on est le soir et tout ça, et je sais pas du tout. J'ai pas la. Mais bon, il fallait que je fasse quelque chose. Alors voilà, j'ai dit, je me lance. On verra bien ce que je sortirai. Enfin, je sors pas grand-chose de potable, mais voilà, c'est, je sais pas trop ce que je vais mettre. J'aurais bien voulu mettre autre chose, mais c'est pas évident, hein. Je vais peut-être prendre ce tampon-là et je vais prendre de. Je vais mettre derrière, je vais mettre un petit peu de. Je vais mettre un petit peu d'herbe. Pas de d'herbe, mais de. Comment on appelle ça? De feuillage. Un petit peu de quelque chose là. Je vais essayer de mettre comme ça. Bon, je sais pas. On verra. Allez. Par contre, je vais aller chercher quelque chose en tampon. Pas en tampon, en. Oui, en tampon. Alors, je suis allée chercher de l'encre verte. J'ai dit des tampons, mais non, mais c'est de l'encre verte. Je vais essayer. J'ai celle-là ou la métallique, comme ceci. Comme ceci. Mais je ne sais pas. Alors, je vais essayer. Un coup, je vais mettre métallique par là. Comme ça. Ça se trouve, j'ai tout gâché, hein, mais comme c'est déjà gâché. Enfin, j'ai voulu faire quelque chose que je suis pas du tout à l'aise, mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, on y va, on verra bien. Ouais, bof. Ça change. Voilà. Ça, ouais, c'est un peu. Voilà. Je pense que je vais mettre un sentiment. Mais voilà, je laisse comme ça. Je vais mettre un sentiment. Et puis voilà, ça sera mon interprétation. De jouer avec l'eau. Voilà.
Voilà ce que ça donne. J'enlève ma feuille pour que vous voyez. Voilà. C'est pas top, mais c'est pas moche non plus, hein. C'est un début, hein. Voilà. On verra. Voilà. Je sais pas du tout ce que je dois faire d'autre. Peut-être colorier la robe ou je sais pas. Je vais peut-être accentuer quelque chose. Et je vous montre ça. Allez, je reviens vers vous. Là, je vais faire le saut en rouge. Je vais mettre un petit peu de couleur. Et la robe en rouge, parce que comme sur le tampon, sur la couverture du tampon, c'est en rouge. Et ben, je mets en rouge. Alors, je suis pas du tout quelqu'un qui colorie. Je fais pas de coloriage, hein. Mais voilà, quand il faut, bah, j'essaie de m'appliquer autant que je peux. Voilà. Je regarde un peu le tampon, comment il est. Et là, c'est un peu bleu, 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 bleu comme ça. Un bleu. Alors, je vais tracer la vague. Voilà pour l'eau. Et celle-là pour la robe pour finir. Avec le foulard. Voilà. C'est pas top top, mais bon. Alors, je ne sais pas mettre en accéléré, je voilà, vous. Voilà. Je trouve que c'est pas mal, hein. Après, je ne sais pas si je dois mettre autre chose, mais je laisse comme ça. Voilà. Voilà. Je laisse comme ça. Moi, elle me plaît assez. C'est pas du tout ce que j'étais partie pour, mais voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Ben, je laisse comme ça. Je vais mettre juste un sentiment. Vous le verrez sur la photo, sur Facebook de Scrap et Récréation de Paula. Avec Paula. Voilà. Et vous verrez la fin. Voilà. Et sur Instagram, sur mon Instagram, c'est Maya0776 aussi. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous. J'ai mis 25 minutes, hein, c'est quand même pas mal, hein, avec toutes les coupures. Allez, on fait avec. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi. Ben voilà, quand vous aurez la vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao, merci d'avoir suivi la vidéo.